Alors, je connaissais pas l'histoire. J'adore Fitzgerald, pas la chanteuse, hein, l'écrivain. Ça s'appelle L'autre côté du paradis de Sally Corslow et c'est chez Lattès. Alors, eh ben, c'est l'histoire du dernier amour de Fitzgerald. Alors, Fitzgerald, vous connaissez, Gatsby, un type très complexé, qui a été pris par le Star System, qui a eu gagné beaucoup de fric, mais qu'on a dépensé beaucoup, qui a eu une femme absolument extraordinaire, mais qui a été elle aussi broyée, qui est devenue folle et qui est morte, je pense, dans un incendie dans son hôpital psychiatrique. Lui, il a eu énormément il a été énormément à la mode, il a gagné beaucoup de fric, mais il a beaucoup bu, il est descendu aux enfers. Et elle va l'aider jusqu'au bout. C'est l'histoire de cet amour, alors que cette fille, elle est carriériste, alors elle va l'aider parce que ça, on va pénétrer dans le monde d'Hollywood et puis des metteurs en scène, enfin des scénaristes. Elle va l'aider à sa manière et elle va l'aider surtout jusqu'à la fin, parce qu'il va avoir une fin absolument tragique. C'est une espèce de. Voilà, c'est comme, vous savez, les gens qui sont bouffés par la télé-réalité, enfin ça n'existait pas à l'époque, mais les people qui sont bouffés par leur talent, puis une époque qui change, pareil, qui ne comprennent pas. Ça s'appelle L'autre côté du paradis de Sally Coslow chez Lattès, et je trouve ça absolument fabuleux.